Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Banakongo, ekumitango to telema, to simbanana loboko, peto sala pona ko bundela ekolo na biso, etando mu bimba ya ekolo pe ko batela ndelo nyonso ya ekolo na biso. Ekolo Congo démocratique ezali kobundisama na etumba eyo Rwanda ememi pe na makambo mabe koboma bato konyokola bango nzela ya ba M23 bazali kobundisa biso oyeleko eye ekolo ya biso ezwi nzela ya botombwami kokabola biso mpe koyiba bozwi boye nzambe apesa biso makila mosopani mingi bomoi bwa bato bobebi zamba nde ezali kosunga molongo mobimba bomoi bwa bato bokomi mpasi tozali na ndingisa banso ya kobatela ekolo mpe lisanga mpo na likambo ya ekolo tosanga na biso banso totia pembeni makambo na biso to mpe politiki tosangana tobundisa banguna baye balingi kimia te nde likambo ya biso banso tozala lisanga tosala gele totika komona baninga mpamba mpe mbeba nyonso tolakisa motema mwa kosalisana na bandeko babiso baye bakutani na makama mabitumba tosanga na biso banso topesa maboko mpe tozala osima ya bilombe babiso ba FRDC mpe na misala minene mia ekolo mpo ya kozongisa kimia mpe bokengi lisanga tobundela ekolo na biso mpe tolonga etumba eye batela ekolo mpe ndele ekoya te. Merci Mbote Nabino, je sais que vous allez, Congolais de tous bords, Congolais de tous genres, mercredi 5 avril 2023, Topé Sibino Mbote, Tikanapé Samakasi, la staff technique Mobimba ya Congo, Clovis Odinga, Mwana Livoulou, c'est vrai, Livoulou, petit souci à sécurité, Zali, Mbanzale, Mba Livoulou, petit souci à sécurité, Zali, Clovis Alingi, Mbanzale, Mba Mingi, Mingi. Petit souci à sécurité, Zali. Micro Langa, ça va? Petit souci à sécurité, Zali. Nous espérons bien que l'État Kondima Rotia va moyen à disposition de la police pour la ressource les Kambouana et Kouluna. Francis Béa, moi, on a paix. Il y a Banzale Mbalivoulou, Jus Bongeli, Bangonyo Soana, Batudosana, Bango Emission, il y a Mokolo, il y a Lelo Oyo, na cadre à l'Okasa, il y a Basango. Vice-premier ministre, ministre économie, Mwanamboka, Vital Kamerhe, Asangisaki, Zinga Zinga Naye, ministre Nyonso, Oyo Bazali, dans sous-secteur Naye, il faut que vous voyez que Vital Kamerhe, Azali, patron, il y a Ecofin, Asangisaki Bango, Mokolo, il y a lobby mardi 4 avril, Maman Alikambozala, qui, Nengeni Nikotala, Nengeni Kodaki Santela, Oyo Sengeli Batambola, pour la relance économique congolaise. Zinga Zinga Naye, Zalaki, ministre de la ministre de la Finance, ministre de la Budget, ministre de la Plan, ministre de la Commerce Extérieur, ministre de la Portefeuille, et puis quelques représentants de la Banque Centrale. On a un cadre de Vital Kamerhe, Zoluka Nengenini, Koluka Kobongisa, secteur Naye, petit relance économique, et Zala visible dans le cannabis. Mokola, lobby à niveau de l'Assemblée nationale. Le ministre Bazala qui au total 8, Assemblée nationale a voté qui 8 ordonnances, loi, c'est vrai, débat, Salem Akite, Zala qui, par ratification, il y a ordonnance Mokazaki signée, l'ordonnance Mokazaki, loi d'habilitation à décembre 2022. Ministre Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, peut porte-parole à gouvernement, Azala qui a natina comme ma combat, il y a liberté de la presse. Kamango salamaki mokola lobby na ngambo bandeko jeunesse, c'est comme si on a tango ya sensibilisation ya mobeko wana pour nous permettre à ce que tout va tenir, on va prendre en compte même les médias en ligne et puis que la nenge nini ko bongisa secteur na biso pour que wana salinda ko botika ete na loba yango na ndenge e sengeli wana na lokasa basango toujours union sacrée
charte nango musala ya kosalema mokola lelo signature ya charte ya union sacrée adoption plutôt ya charte ya union sacrée kosalema lelo na Pullman débat c'est vrai ko kozala bande ko batala nenge nini ya ko simba baloa moko nenge nini union sacrée zo forme. Est-ce que vous avez déjà préparation pour l'élection, bande de opposition, bozo monato, bozo monate, donc le mécanisme qui est bande qu'on a plateau, bande qu'on a mis qui commenter en gros une émission, la biso ya mokola lelo, ninto kolo mela lelo. Proposition de loi, ya ndeko tingi pululu, ndeko noel tchane mais pas tingi pululu, ya verrouillage et accessibilité à certains postes en Bokana biso. Quels sont les avantages et les désavantages plutôt pour l'imbici? Avantages et désavantages. Quel impact direct sur la population dans les différents rapports à IGF? Est-ce que la population se sent concernée dans mon sala IGF à Zosala? Topé, j'ai lu plus la politique au Bazomona. Que moyen à quoi lier un bon ou à l'état n'engue pas mes sens exacte moyen que cela m'a camé n'engue pas mes sens exacte bangonde baso mona impact y a par rapport à IGF pour la bango population est pas naïe impact ezani est-ce que l'impact est visible par rapport à IGF tokolo belango mission na biso mokola lelo union sacrée na lobelango déjà et kamboya sécurité paix élection que faire naba circonscription électorale où ils allient bas zone à problème. Nakisa bande qu'on a bu na gana bas zarolette. Est-ce que quoi impacter t'es na calendrier électoral? Est-ce que t'as aucun dessin pour autant tout si kabangole le peu bas force y a UDF armée ougandaise et bongi ezo à contrôle y a bu na gana. Sur ce qui est zone, le territoire occupé est commis sous contrôle, il y a force régionale. Dans une année électorale, dans le territoire, dans la zone, la campagne est comme ça, l'enrôlement est comme ça. Est-ce qu'il faut que ça ait déjà l'élection dans la zone? Je vais vous dire que vous avez une émission, une émission, une émission, une émission, une. Mais il y a un bon présenté, il y a un invité. Il y a un gambo à régie. Tout à la bas pour Esnaï. C'est vrai, il a été maintenu. Mais l'homme travaille. Il travaille. Lancement officiel, la plateforme et la consultation des enseignants retraités. Tony Mwaba toujours. Boko Yokaye. Mais aussi, programme Moko a lancé à Sika. Donc, il y a une régie Botala Yango dans le secteur EPST. Le projet s'est tenu à bon temps pour Zonga. Il a présenté une nouvelle invitée dans le Bissom Kolalelo. La première fois, plus de 30 ans après, que le débat sur la retraite des enseignants commençait, l'EPST avait déjà commencé avec la retraite progressive des enseignants jusqu'au moment où la CNSAP est intervenue. Voilà. Pour des raisons de transparence, nous avons décidé de lancer ce répertoire pour faire savoir, pas seulement aux concernés, mais à l'opinion publique et aussi à l'intention de tous les partenaires. Nous avons par exemple l'Agence française de développement qui veut également nous appuyer sur cette question. Alors, tous ces opérateurs pédagogiques-là, nationaux et internationaux, ont besoin de données. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui le répertoire des enseignants retraités. Nous avons au moins 4395 enseignants qui ont déjà bénéficié de leur allocation de fin de carrière et dont la liste a été déjà envoyée à la CNSAP pour leur prise en charge en ce qui concerne la pension. Pour le mois d'avril, je crois qu'on aura une grande communication également d'ici la fin de la semaine sur des réalisations que nous envisageons pour le mois d'avril. Sur la liste, nous avons également prévu d'envoyer à la retraite 452 agents, dont la liste sera également envoyée à la CNSA. Alors,
Je crois que dans les tout prochains jours, nous allons ajouter un autre onglet, c'est la liste complète des enseignants éligibles à la retraite. Une fois qu'un enseignant atteint l'âge éligible à la retraite, son nom va apparaître dans un des onglets. Et une fois qu'il bénéficie des allocations de fin de carrière, il entre sur une autre liste et les deux listes seront envoyées à la CNCE. Merci. Est-ce que ceux qui m'ont dit ça, les Alissoum, Bossalande, Mossala, cher ministre, parlez moins, travaillez plus. Tony Mouaba, parle moins, mais travaillez plus. Cher ministre, adoptez ces comportements, évitez des photos, travaillez plus. Bazola Nabiso na Matete, Alva Image, merci Nayo. Bazola Nabiso na Matongé, Papi Mandeke, merci Nayo. Bazola Nabiso na Lemba, Maurice Jugando, merci Nayo. Ma message na binom et komi. Neville Bopé, Moko, ya bakadre, parti politique UFF, Union fait la force. Ya mwana mboka Constantin Bengele na Pesio Mbota. Merci. Merci Ndeko Franck. Katako, activiste et mouvement citoyen, Echa, RDC, n'a pas su yopé mbote. Merci, les gouttes. Merci, les temps que Ndeko Lipsien, Akota, Toko, Ndeko Lipsien, pas au côté en Balamoko, Akota, Akota, Nango, merveille, et plutôt Ndeko Neville Bopé, Union Sacrée, prend forme, Union Sacrée s'est décidée et s'est conformée. Na lo lenge ya botambo le li ya lingomba politique un peu tard. Est-ce que ba poids lourd ba kei il y a de la place pour pas de petits leaders mais ba to ba za quand même na leadership na ngongo na se ya ba bemba na ba kamere, on peut dire ça? Merci. Je voudrais d'abord revenir sur notre parti. Il y a pas quand même un parti membre de l'Union Sacrée. L'Union fait la force. Parti cher à l'honorable Constantin Mengele Kwete Tamouk, qui est aujourd'hui notre autorité morale. Le parti fonctionne très bien. Je voulais encore préciser que nous venons de nous installer au site Kivu. Ok. Site Kivu, nous sommes au nord Kivu, nous sommes à l'équateur. Maintenant, au total, c'est 23 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Donc, nous avons la place à vous s'installer. C'est un peu par rapport à l'Inga Otikolobake. L'Union Sacrée est en train de prendre forme, l'Union Sacrée est tard, est tôt, est-ce vraiment ça le moment? Non, en fait, photo et baké, politique est à la carte dynamique. La politique n'est pas statique. Au fur et à mesure que les jours passent, il y a des nouvelles données qu'il faut encore actualiser. En réalité, les alliances politiques peuvent se faire le matin, elles peuvent se défaire le soir. Et il faut à tout moment actualiser les bases de données. Oui, baké, est-ce que ça marche avec les anciens partenaires? C'est un peu comme je disais à beaucoup de gens à l'œil que ça va te bénir la piscine. Tout à l'heure, Moko Francis, mais trouve-nous un élément. Le temps que Caprice et technique, ça a résolvé par Clovis Odinga. C'est parti. La première fois, plus de 30 ans après, que les débats sur la retraite des enseignants commençaient, les PST avaient déjà commencé. Avec la retraite progressive des enseignants jusqu'au moment où la CNSAP est intervenue. Alors, pour des raisons de transparence, nous avons décidé de lancer ce répertoire pour faire savoir, pas seulement aux concernés, mais à l'opinion publique et aussi à l'intention de tous les partenaires. Nous avons par exemple l'Agence française de développement qui veut également nous appuyer sur cette question. Alors, tous ces opérateurs pédagogiques-là, nationaux et internationaux, ont besoin de données. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui le répertoire des enseignants retraités. Nous avons au moins 4395 enseignants qui ont déjà bénéficié de leur allocation de fin de carrière et dont la liste a été déjà envoyée à la CNSAP pour leur prise en charge en ce qui concerne la pension. Pour le mois d'avril, je crois qu'on aura une grande communication également d'ici la fin de la semaine sur les réalisations que nous envisageons pour le mois d'avril. Sur la liste, nous avons également prévu
d'envoyer à la retraite 452 agents, dont la liste sera également envoyée à la CNSA. Alors, je crois que dans les tout prochains jours, nous allons ajouter un autre onglet, c'est la liste complète. Merci, Clovis Odinga, merci, Francis Béa, merci, les problèmes vite résolus. On a vu le taki na maloba un certain moment batu bayoka ki opesa mo abiente je crois que motuna nanga batu bayoka ki ango okoki ko répondre merci na bakite na lingana zongela na makambo parti na biso OK parti cher à l'honorable Constantin Bengele Kwete Tamouk qui est notre autorité morale. Le parti c'est l'union fait la force naza porte parole na ye, mais ici je suis venu comme invité pour scripter l'actualité de Il y a un beau cannabis. Donc, est installé dans Bukavu. Ouais, parti est installé dans Bukavu. Maintenant, tous en présent dans 23 provinces sur les 26 qui compte la RDC. Nous allons nous lancer dans la bataille pour les prochaines élections, vraiment, de manière que la pondération politique, aux hommes, on a la tractation par rapport à Makamboto, le Basiko, la reconfiguration, il y a majorité présidentielle, l'Union sacrée, tout ça, ça tient compte des rapports de force, surtout du point de vue de la y a représentativité. Il y a le nombre de sièges, l'assemblée provinciale, l'assemblée provinciale, l'assemblée nationale et tout ça. Donc, nous sommes rangés vraiment en ordre utile des batailles pour gagner les prochaines élections avec beaucoup de sièges et voilà. Donc, les partis fonctionnent aussi très bien, comme vous le savez, Osaka, Tunabiso, de temps en temps, Tolekanabiso, secrétaire général Nabiso, Alika, Alikana, Plateau, Oyo. Donc, le parti se porte bien. Alors, pour répondre à votre question, il n'y a que l'Union sacrée. En fait, c'est comme ça que les choses devaient fonctionner, en réalité. Lorsque Eloko Moko et Salami, par exemple, il y a des nouvelles données, en tout cas, neti gouvernement yota kobima mikolo yo. À mon sens, ce n'est pas une question aujourd'hui. On s'est dit, maintenant, c'est le gouvernement des élections. Il fallait que véritablement le chef de parti soit représenté dans ces gouvernements-là, pour éviter certaines tergiversations ou quoi que ce soit. Mais, majorité présidentielle, Otozanango, Union sacrée, il fallait que Ezouaba nouvelle donnée. Parce que les alliances peuvent se faire et se défaire à tout moment. Il y a eu les nouvelles entrées officielles. Parce qu'à l'époque, il y avait FCC cash. Maintenant, il y a des gens qui étaient au FCC qui sont véritablement devenus les membres de la majorité présidentielle. Alors, il faut étudier toutes ces choses-là. Est-ce que ça va frustrer et refrustrer Bao Bakuti? Qu'est-ce que ça va donner? Et en tout cas, c'est opportun. Il fallait que Basara Yango Kasiko pour savoir maintenant là où en est-on, d'où venons-nous et où allons-nous. Merci. Donc, Nandenge Wana. Merci, Ndeko Lipsien, NAPC Openbote, cadre à CRD, CRD parti cher et à moi, Nambo Kamboso, Kodiampuanga. Ndeko Lipsien, Union sacrée, adoption à chaque samokola leloyo, babemba na ba kamere ba kei, avec le reste, bataille ya ba poste de responsabilité na Union sacrée, goza la beza mingite, avec babemba na ba kamere libanda ya gouvernement sans responsabilité étatique, s'il fallait qu'on restructurait Union sacrée, crainte et zala qui a corrompu, bataille à base à poste de responsabilité, base un peu frustré, puis peut-être Babi Malibanda, Union sacrée, c'est un peu le bon moment pour nous restructurer famille politique à chef de l'État. Merci beaucoup, Ndeko Trésor. La ligne qui nous avons, nous pénétré Moutouna Nayo, et nous avons pensé à nos téléspectateurs, nous sommes dans la vie, nous avons scotché pour une émission à Plateau de Vérité. Il y a un trésor qui a la faille parce que dans le coup, il y a des signes qui font la télévision qui est au commun en parlement. Pour la motuna autour de l'Union sacrée, est-ce que ça a été un moment et tout ça? Je vais dire ceci. Au début, naissance, sauto remonter la genèse de l'Union sacrée, au début, n'engagez mon conjambo, qu'azoa ka vision en rapport avec la pratiquement difficulté à cohabiter, à collaboration, et ça entre la coalition en place, notamment le FCC, na bango bazoa ki engagement à composer pour la rediriger mboka. Mais tout le monde a dit que surtout n'engagez ni makambo et kaki. Et qu'il fallait quand même que Batouba s'unir autour de la nation
C'est pourquoi on a parlé de l'union sacrée de la nation. Et bah, patriote, il y a solo au moment opportun, bah, répondre qui n'appelle à chef de l'État. D'abord, ils allaient signer là qu'il n'a pas changé. Les chefs de l'État ont majorité au niveau du Parlement pour nous permettre de conduire la politique. Et le combat, ils allaient être mené par le niveau du Parlement par l'autorité morale de l'Abisso, Christophe Mboso Kodapouang. Mais les lois, comme ils poussent à Pembe, il était tout à fait normal parce que. Et ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il était le moment, parce que nous sommes à 7 mois pratiquement des élections, sur le calendrier est respecté. Il fallait quand même que les gens signent maintenant notre objectif. Ils allaient bien établir autour d'une plateforme politique. Alors, c'est pourquoi, au moment où il fallait tous les partis politiques. Membres de l'Union sacrée va s'engager derrière la nouvelle charte de l'Union sacrée Oyo et définir modalités pe ba makanisi nyonso singili pona kotambusa plateforme wana. Donc je pense que ezalaki te pona bande comme sous ngi bazaki libanda même si bazaki libanda même si bazaki na ba institution l'Union sacrée lingai kaka se restructurer se organiser comme plateforme pour accompagner Mokondia Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na deuxième mandat naye. Merci Ndeko Franck. Est-ce que Félix Tshisekedi veut satisfaire le frustré où il va continuer au gouvernement de Batloro à Thierry Monsenaire pour Batloro là les entambouer, c'est là qui peut-être vous allez au gouvernement, va cotiter poste à responsabilité dans la Union sacrée, secrétaire général adjoint, secrétaire général chargé des communications, secrétaire national, moi responsabilité, voilà, Yango, il faut vite adopter la charte de l'Union sacrée puis repartir des postes. Oui, monsieur le ministre, merci. Mais pour comme la parole, mais coquille, avant que je puisse répondre à ma question, je vais vous présenter dans un mot activiste et mouvement citoyen RDC. En salle, je suis un peu coordonnateur de la Nérakon et de la depuis Matungé. Donc, merci pour la question. Bon, nous avons un lobby qui est pour la fils et qui a pu remonter la poste de Kéliézer. Parce que tout ça soit amélioré dans les locaux. Dans ces moments, il faut que tout résolve le problème des peuples congolais pour les Nzala. Que tout le monde soit posté, tout le monde soit posté, tout le monde soit 56. La famille politique n'a pas eu de peuple qui s'en va. Mais ce n'est pas les moments où il y a un peu de temps, tout le monde soit nommé. Ils ont certifié si base de quoi. Alors, ils ont copié pour la présidence ou quoi. Alors, c'est le moment où tu as copié pour la dernière ministre de la ville de Kinshasa. C'est le moment où tu as dit que tu as gêné. Tu as dit que 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 l'union sacrée dans lobby boy. Est-ce que restructuration et plutôt structuration et union sacrée, adoption à charte, chef de l'État à l'ingité, ça c'est une question. Pour satisfaire bateau, vous allez frustrer, ou vous continuer. Parce que vous allez poster dans le gouvernement, dans l'entreprise publique, qui est en train de organiser une union sacrée, tant que vous allez poster des responsabilités, vous allez vous calmer. C'est ça ma question. Bon, merci. Nous avons sacré parce que ça se fait à tous. C'est ça, une question de la fin. Donc, ils ont copié tous les amis. Comment ça? Parce que ça se fait sous poste, faut bien nous sacré na outil na FCC ba dé ba ça débouché pendant c'est pour ça ba y FCC ba côté de l'union sacrée alors ba moi ça ba corbia côté si comment tu ba ko na de ba ça ba corbia ba côté de côté de FCC qui na cimetière alors comment ça ba ko ba ke ba ngo ba ya suku ko parce que ça fait na problème ya poste bon ba travailler sur quoi bon so mi que dans terme ba poste. Jean-Pierre Bemba et monsieur Vital Kamere na monsieur Peter Kazadi oyo c'est bien pour nommer monsieur Jean-Pierre Bemba au niveau ya défense mais
Mais ils ont besoin de revenir à Bissounamine. Tu vois, Jean Verbemba a outi ces pays. Et bien que Jean Verbemba a outi ces pays, à la Sounama, elle est condamnée. Ah, mais c'est condamné parce que c'est bon, il y a moins. Elle a condamné. Il n'a pas été dans ces pays pour le dossier à ma témoin. Ma chef, ma chef d'accusation qui est retenu contre un CP, il a dit la vie. C'est pour la suite à témoin, c'est une autre affaire. Oui, bien sûr, le bibongo. Mais je ne peux pas faire dans ces moments. Je ne peux pas faire ça comme touche. Parce que je ne peux pas faire ça dans ces moments. Parce que moi, si je suis à cause de ça, effectivement, je ne peux pas faire ça. Parce que dans l'idée, dans ce moment-là, il y a un peu de bénzier gaz, à diminuer. Merci. Parce que dans ces moments, il y a un peu de candidat dans le parti politique. Il n'a pas dit ça. Merci, Mendeko Franck Katoko. Les villes lipsiennes. Tout quand c'est le avant tout dans la macambo, dans la chronologie, à la fin de la thématique, nous avons présenté un groupe. Dans la bonne permette, on a bougé un peu macambo. Prenons le cas, il y avait élection. Si faut tout ça, l'élection, on a tenu en haut, au Sénat, on a tenu en haut, au gouvernement, on a tenu en haut. Tout ça, l'élection, le 20 décembre 2023. Les zones occupées par le mouvement rebelle ou le mouvement terroriste M23. Bazon, nous sommes le cas, sous contrôle, il y a force régionale. Bazon, nous sommes là, nous sommes là, si il faut qu'il y ait une logique, donc il faut oublier l'élection pour la Bazon. Si il faut intégrer Bazon dans l'élection, donc il faut revoir le calendrier électoral. Est-ce que cet aspect des choses. Et ça, c'est que la République démocratique du Congo face à un passement au bout de l'éviter tout ça, l'élection ou encore tout pacifier. C'est l'élection. Merci. Je voudrais d'abord revenir sur ce que notre frère était en train de dire. Vous savez, le président Félix Tshisekedi Aza, Moko Yaba Obaza Maïe Lemingi, pour Nambo Cannabiso. Ce poste-là n'est pas réservé à n'importe qui que ce soit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça évolue très bien de son côté. Au début, Batawanda Oloba, c'est Kabila qui dirige, etc. Je disais toujours, Naba Obazala Kizinga Zingananga, qui me suivent maintenant, je leur disais, il faut du temps. Il faut du temps. Et la tension était très perceptible. Sorozo s'est rappelé très bien, Trésor Kalafai. Il y avait des moments où le président signe une ordonnance et un ministre des portefeuilles refuse d'exécuter ces ordonnances-là. Ça n'a pas été facile pour avoir cet atterrissage en douceur, essayer de neutraliser les FCC. De manière intelligente, ça n'a pas été facile. Parce que lui, il avait compris, les gens. Je sais qu'à côté, il y avait des gens comme nous. Bon, moi, je ne suis pas à ses côtés, mais des gens qui me ressemblent, qui réfléchissaient comme moi, qui lui disaient, non, écoutez, la présidence, c'est l'incarnation de la nation. Vous voyez aujourd'hui à Saïné, allez, gouverneur Yanor Kivu, élu par ses pairs, députés, mais aujourd'hui, limogé, bon, pas limogé, mais mis un peu à côté, et on a nommé un ministre. Donc, ça dit qu'il a beaucoup de pouvoirs qui ont fait qu'il avait compris ça. Les gens lui ont dit non, avec les pouvoirs que tu as, tu peux dissoudre l'Assemblée nationale, tu peux agiter. Il avait fait une agitation là. On va dissoudre l'Assemblée. Et les gens, après là, va créer union sacrée. Et les gens sont allés. Les gens sont allés. Et puis, dans la configuration socio-politique et aussi démographique, et voire aussi géopolitique, c'est pas facile de former un gouvernement en RDC. Ça, je parle en tant qu'analyste. Parce que vous avez la représentativité tribale, vous avez, ou linguistique, vous avez la représentativité féminine, vous avez la représentativité politique, etc. Il a cité Komboya Trésor, notre frère Eliezer, je l'aime bien, sa façon de réfléchir. Mais ce n'est pas facile pour un chef de l'État, parce que on peut nous dire, par exemple, nous sommes IFF, Union fait la force. On nous dit, bon, vous êtes un parti de la majorité présidentielle. Mais donnez-nous un député, le nom d'un ministre, mais qui serait de la province orientale. Bon, imagine-toi que là-bas, peut-être, nous n'avons même pas les partis bien installés. Parce que nous sommes, notre bastion, c'est au Kassai, par exemple. Et pendant ce temps, on vous dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, il y a combo à Kassai. Parce que les gens n'ont pas eu de paix, ça combo en a. Vous comprenez? Ça devient délicat. Ou alors on dit, président Bosso, parti naïe, Pesabiso Kombo, il y a Moutoumoko, mais Azala Mouassi. Mais Mouassi, on appelle Azala Moutou, il y a Katanga. Vous comprenez? Ce n'est pas facile dans la configuration actuelle pour essayer de gérer les frustrations. Pour ceux qui ont compris les choses, ils sont restés.
En fait, ceux qui n'ont pas compris, c'est de Franck Diongo, de Délice Sanga, qui étaient très pressés. Ils pensaient qu'avoir battu campagne pour le chef de l'État en 2018, bah, on a pas sa responsabilité. Or, le président aussi a besoin d'observer une espèce de loyauté. Au tel que, est-ce que ce monsieur est venu véritablement pour m'aider? Ne pensez pas que Bemba, dans le gouvernement et Liboso, Azalaka n'a ambition. Les ambitions étaient là, le chef de l'État l'observait d'une manière ou d'une autre pour voir quel était et il s'était comporté. Et même alors, Olobaki Awa, Bemba, oui, Bemba a se comporté comme un bel élève. Vous m'avez, je n'ai pas oublié ça autrefois ici. Alors, pour la question, bon, est-ce que par rapport aux élections, moi je pense que nous devons vraiment réfléchir comme des vrais patriotes. C'est le patriotisme maintenant qui compte. En réalité, dans le chef du chef de l'État, il n'a pas besoin d'avoir un glissement. Il n'en a pas besoin. Il veut absolument que les élections se tiennent dans le délai. Mais il y a des contraintes, parce qu'on dit toujours à l'impossible, nul n'est tenu. Mais ce n'est pas une, c'est pas un souhait ardent du chef de l'État. Ce qui est vrai, moi je continue à croire que avec la nouvelle configuration du gouvernement, la paix va se retrouver et on paie. Ce n'est pas tard. On peut organiser un enrôlement pour ces gens-là. Et comme l'actuel ministre de Défense a promis qu'il va instaurer la paix, faisons confiance. Moi, je suis contre Nazaka, contre Yabatou Bélé, Bazalaka. Ben, nommé Trésor Kalafa, ministre de la Communication. Aébi même Trésor Kalafa, Tembalaba, Alonga Mouibi. Donc, c'est-à-dire, il fallait restaurer confiance Wana de diriger envers les dirigeants. Merci. Ndeko Lipsien. En Assemblée nationale, la session de mars, il faut passer à la répartition. Il y a la répartition, même quand on a des sièges, des répartition sièges. Des sièges. Mais il y a la zone où il y a des sièges. Bounagana, une partie de la route, il y a des sièges. Si il faut qu'il y ait une élection, il y a des sièges. Éviter, est-ce que ça, après que la force régionale est zoa occupation à la zone wana et permettre la Sénia Salamoussala à enrôler Bandeko. Mais ça, c'est aux élus wana. Et là, c'est que la session de mars, la répartition des sièges, Toko Zoya Ngote. Est-ce que, contrainte sécuritaire, ils ont même abissé déjà été dans le glissement? S'il faut qu'il y ait une élection, donc il faut que Bossana, la zone wana. Réflexion. Merci beaucoup, Ndeko Trésor. Oui, effectivement, Motuna Auto Tunawana est tellement très 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 importante. Il y a mon répondre et on a l'ingénieur paraphrasé Ndekonanga Utkoluba au sujet de la représentation. Il y a Jean-Pierre Bembana, Ndeko Vital Kamere dans le gouvernement. Il y a un touché, mais en une phrase seulement, Nayoga qui Baluba qui il faut que ça le choix entre l'intérêt et l'ambition personnelle n'a qu'au servir Mboka. Ce qui est l'intérêt à Mboka et Sengi que Jean-Pierre Bemba a expertise à Zali Nayango a coquille pour aider Mboka et recouvrer Kimia. A coquille pour aider Mboka pour que l'armée Nabiso et s'organiser et se restructurer. Je pense que c'est la meilleure manière de servir la nation que Koulukaka a comme chef de l'État. Et je pense que Bango Nyon sur le niveau de Bango va comprendre qui Yango et que va se surpasser. Pour nous retenir intérêt à Mboka Liboso. C'est ce qui justifie la présence de Bango dans le gouvernement en tant que leader et grand parti politique. Mais Ndimi Baya, nous retenons moi dans Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Mboko, pour nous défi au hasard, notamment le défi sécuritaire et puis la situation sociale à Mboka. Et pour la question de l'enrôlement, je pense que c'est vrai, c'est une question qui préoccupe. Même si on dit Mboka, même Banesi, parce que Zali n'a pas de contrainte au CENI à Erelevac, qui est en publié qui calendrier. Contrainte sécuritaire. Contrainte sécuritaire. Mais depuis, je crois, trois jours, on a constaté que la force régionale, ils allaient qu'on s'est déployé pratiquement dans toutes les entités et localités où ils allaient qui sont occupées par le M23. C'est déployé déjà bazar sur place. Et maintenant, éthiquement, parce que le mécanisme là, dans la communauté, il y a EAC. Donc, vous allez officier supérieur et armée, vous allez être membre. Ils font l'évaluation. Je pense que si les conditions le permettent. Ailleurs, on a vu que l'enrôlement n'a pris qu'un mois. Peut-être un jour, il y a récupération. C'est sûr, au mois de mars, c'est sûr qu'au Kendeti, pratiquement le mois de fin juin. Fin juin et Sili.
ce qui n'a pas un union surtout avant basi ça va être ça la loi et répartition des chaises des sièges et que entre mois d'avril et mois de mai ce qui va condition vous permettre je pense va vous enrôler Batukuna mais déjà calendrier vous allez bouger non na lobby que il y avait des contraintes. C'est vrai, il y a des partis qui peuvent être enrôlés. Je ne suis pas un expert électoral, mais nous avons supposé. Il faut réfléchir. Ce qui peut être. Mais ceux qui ont une force majeure, je pense que dans la minute, il y a évité ceux qui ont enrôlement ici, là, qui déjà dans le pandi, mais ceux qui ont continué, dans la localité, il y a déjà ça sous contrôle. Il y en a qui ont organisé un enrôlement pour la population, mais aussi la question va déplacer. Il y a guerre, il y a bazar, et belé au bâti, il y a un bon bâti, il y a un bon bâti, il y a retour na bango. Et que ceux qui bisika ba yagi neti na goma, bazwa ki déjà, bas enrola ki déjà, je pense que c'est un problème aussi qui a été résolu d'une manière ou d'une autre. Parce que batouana, il y a un bisika na bango, bazwa ki zoma carte na bango, na ba centre de déplacer, na centre au bâti, na ki kom ba déplacer de guerre. Je pense que c'est une question oyo, au moment opportun, c'est ni, je pense, à repé sa biso évaluation. Mais en ce qui me concerne, nali komona que ma ponami ekoki kozala hypothéquer te mbeko kosala mate pona mo ba trouble sécuritaire eza ba contrainte na organisation yo surtout ezalaka. Mais souhait na biso est que ba tu nyonso ba participer na ma ponami oyo pour que quand même ba zwa occasion exprimer ko exercer droit na bango le plus légitime. Et logo na osenga kaka peut-être na niveau à commission électorale nationale indépendante ba sala dans le mbango dans ce sens que pour évaluer déploiement au réseau social, mais est-ce qu'il va organiser un enrôlement parce que ça peut prendre un mois la localité pour que l'enrôlement est salama. Ce qui est salémité, en 2018, je ne souhaite pas ça. La grande ville de Beni n'avait pas participé aux élections à cause de l'insécurité. Mais et c'est pas les ça qui va tout être, mais il y a qui contrainte. Et bah ça la jurisprudence aussi. Alors les a makambo et yaka l'état tem tabongisa qui a mon mekomi, je pense que ce qui est komi bongo, il y a des zones qui ne peuvent pas participer aussi, ce qui contraint vraiment à calendrier ça makasi. Merci, ça pose pas de problème vraiment papa Kalafai Naza na posa obete la biso c'était pour na baudja na awa na moka le biso ba jeune tozo nyo kwa makasi Balongo la bango, s'il vous plaît, batia inte moussousou. Merci Désiré Panda na mokale. Merci non de ko Désiré Panda, de ko Franck, de ko Lipsien, de ko Neville. Certes, basan a posé ma polamé salamé, mais basan a la facette et la contrainte sécuritaire ou an a soke pese. Lipsien a rappelé en gros na 2018, l'élection de la magité na Yumbi, na Ben, l'élection de la magité, mais à l'obiso qui a eu une fine partie à sécurité, la petite moitié, la petite particule, il faut permettre un bang, la toisseni, la cote, la roule, la déco, pour être et permettre à bango de participer à une élection. L'aspect technique, le calendrier, c'est ce qui a raté, loi à répartir des sièges dans la session de mars, où déjà le calendrier va bouger. Est-ce qu'il faut tout préparer mental, dans un certain glissement? Oui, M. Trozo, merci. Mais comme je suis que pour la CENI, moyen de passer à communication. Parce que ce dépend que de moi, je suis pour tout déclasser des provinces pour tout qui n'a pas élection. Ou soit pour la paix. Pour dans le nord qui vous n'avez tout. Tu te déclasser en gros, genre que le chef d'État a la capacité de s'habiller à tout le genre que des provinces soient. To bomba yango to na province o etikal ou soit na go évoquer proposition de loi ya de colleza pour évoquer que tout soit to tiki ba ma ponami to tano kaya est parce que ko fomba za ba ndeko na biso na ki na so victime no ndeko na nga propre ya to ko fa niveau ya ituri kuna ou soit to tika no ba election to tano kaya ko zoana no des provinces na biso ni koma ya biso ba koma biso na ngamu na biso c'est ça pour na nga ko proposer bon loi ya il y a un décolleté pour vous dire que tout ce qui est ma ponami, tout en cas occupation, il y a un décolleté pour vous parce que ça va être un décolleté pour vous. Il y a 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 un décolleté pour vous. Pour moi, je sais que tout ce qui est quand il y a des élections, parce que quand il y a des élections, surtout à l'élection, toute personne va jouer que on a candidat, il y a un candidat, il y a un candidat, il y a un intérêt personnel dans le monde.
pour moi, pour la Kimia, parce que tout le monde a Neville. Le débat autour de l'élection, il y a un autre débat qui s'ajoute, et c'est le Cambo, des pères et des mères. C'est vrai, la proposition de loi ne s'appelle pas de pères et de mères, mais le rôle, la communication première, il y a qu'à Bongo, tu vas vendre là de pères et des mères, tu vas se sentir écarté dans la course, débat péqué, ma belle couleur de peau, et comme il faut justifier, comme pour certains, il y a un alibi. Il y a des cartes de quoi, ça moi Pembe, ça moi Mwindu, ça moi Boye, expression faciale. Donc, pour certains, ce n'est pas l'auteur et la proposition, dans le lobby, encore même pas congolais, pas comme on réfléchit. Mais il y a des conséquences, même dans le village, dans le bisou, ça va tout, il y a un chef qui continue à des pères et des mères. Est-ce que vous pensez qu'il est important? Non. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour nous faire un débat sur la congolité? Je ne m'arrête pas à utiliser ma propos, il y a initiateur, il y a proposition, mais débat sur la congolité. Dans un moment où certains Congolais pensent que nous sommes encore fragiles, et vont se souder à nous avant tout comme on a débat. Que tout comme on a un Congo fort et uni, et puis tout comme on a débat. Est-ce que vous pensez que c'est le moment? Déjà, question Ezalaka évoquée. Quand vous suivez au fil de temps, d'abord, la loi sur la nationalité congolaise est très claire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire, il n'y a pas de binationaux en RDC. N'est-ce pas? Il n'y a pas de binationaux en RDC. Nous sommes avec une seule nationalité. Si un enfant, par exemple, est né d'une mère congolaise et d'un père, c'est pas moi, grec ou israélien, quelque chose comme ça, en fait, on devra laisser l'enfant aller jusqu'à 18 ans et passer par un jugement et choisir la nationalité de son choix. Ça d'abord, c'était, vous savez, cette loi-là avait un caractère rigide au point où déjà cette histoire des pères et des mères commençait déjà à être dans l'esprit des gens. Mais ce que je vais dire, Ezanine, parce que peut-être Azan Nzalate a Olia et tout ça, mais vous ne pouvez pas empêcher Moutoupo de réfléchir. Noël Tchani Azali Congolais. Aza Congolais. Bon, c'est un débat qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Parce que déjà, le chef de l'État avait donné presque sa position un peu là, de manière à demi-mot. Contre. Oui, presque contre. Presque contre. Parce que selon le chef de l'État, à l'écouter parler, il avait dit quoi, Alubaki, ils ont abattu, oh, ils n'ont même pas de père et de mère, mais ils ont même pas de père et de mère, mais ils ont même pas. Donc, Kozala des pères et des mères, ils ont garanti que ya Kozala. Ils appellent thermomètre. Ya boni mboka, ils ont dit thermomètre, ya bonne gestion mboka. Mais ce que je déplore en ce moment là, c'est le caractère politique extrêmement tribal que c'est cette loi commence à prendre. Nandengeni, les lois sont impersonnelles. Il a réfléchi. Il appartient à la. On a envoyé ces totindi bangokuna porani. Bon, député Totine, vous n'allez pas empêcher à un citoyen qui a la loi n'a été. C'est à l'Assemblée de juger l'opportunité, les bénéfices socio-économiques de cette loi-là par rapport à notre. Et les contextes. Batou Obazakuna, ce qui est tous les jours. Les députés sont, je dirais, les hommes les plus intelligents en Bokanabiso. Parce que Tozali Awane, Toza Tolobi, bon, mon cher Yo, Kene Olobi Labiso. Imagine-toi que 3000 personnes, 5000 personnes te désignent yo. Parce qu'il y a 100 il y a certains députés au moins de phase où bête à moi si. Hein? Bah il va rater que le sens de l'honorabilité, on va honorable, on va comprendre Kayango véritablement. Parce que ce sont des personnes nobles. Hein? Excusez-moi de prendre une petite parenthèse là. On dit que Miso Ertozoko là, Namboka, il y avait des papas qui étaient des professeurs d'université. Ce qu'il y a eu vacances, avant d'y Namboka, Notongo Moni. Il n'est pas député, hein, mais vous trouvez que c'est une personne noble. Il avait le respect de tous. Ah, bon, dommage pour Nabadépite. Donc, Bissot Totina Bangokuna, pour ce genre de choses, Malak Samaye le Nabango.
Parce qu'il y a des commissions spécialisées pour Nakota là. Est-ce que cette loi est-elle... Le mal, c'est... Bakomiko, personnalisé. Les lois sont impersonnelles. Il y en a qui montent au créneau. Il y a des gens qui se sentent concernés. Que ceux qui loient les kingana aux alatés, ils commencent à aller voir les chefs d'église. Les chefs d'église prennent des positions contraires, etc. etc. Ça ne permettra pas au pays de fonctionner de cette manière-là. Merci. Donc, d'abord, donc pour nous, il y a un lobby. Topé sana nous, disons le totina qui va tout tiquer la bangotan. Et j'imagine, en tout cas, le contraire pourra m'étonner ceux qui autour de notre table ici, bato nous avons lobaté que bato on a des bazana bison nous tout tina qui bango c'est que nous avons estimé que bakoki koloba na place na biso. Merci. Donc topé sa bango chance, bas scripté loi, babi mis sa caractère impersonnel pour ceux qui s'en opposent, babi mis sa caractère personnel, mais les lois sont impersonnelles. Mais pour ceux qui soutiennent avec objectif de viser essentiellement une personne. Merci. Un peu comme on a fait, tu vas devoir de mémoire très rapidement, un peu de basala qui pour de membrement à de décentralisation. Il y avait des provinces qui avaient été essentiellement visées pour diminuer la force de certains politiciens. Mmh. Mais il ne faudra pas que nous revenions sur les mêmes choses parce que ce que nous avons besoin, c'est le développement, c'est la paix sociale, la cohésion et la concorde. Merci Ndegoneville Bopé. Bonjour Monsieur Trésor, s'il vous plaît, on s'appelle la voie pour la paix des fonctionnaires qui est en perturbation et nous en souffrons, et en souffrance plutôt, depuis le début de l'année. On a évité une phrase, on a moussoussou, Pati Kiwanda, depuis l'emba, Pati Kiwanda, message na Tangami. Quels sont les pour et les contre et à proposition. Ce qui t'occupe dans les Cambouana, avantage des années. Ce qui t'occupe dans les Cambouana, des désavantages des années. Des collipsiers à l'obiango, l'oisaka impersonnel. Tout ça, la terre locale, n'a de membrement à la province. Quand il fallait mettre en application la décentralisation, la province, vous avez qui visé pour amoindrir un peu, pour force, il y a certains dirigeants de la province. Quels sont les avantages et les désavantages à la proposition? Merci beaucoup, Ndego Trésor. Oebi, tant que toujours la loi, c'est une proposition. Oui. Tu as dit que loi Tchani, c'est une proposition. Et cette proposition a été portée par l'honorable Tingi Pouloul. Et n'a intitulé Nango, même Batumoussous Bazolingaro, ça l'a pour manipuler l'opinion. Il est dit clairement que proposition de la loi modifiant et complétant la loi numéro 04/014 du 12 novembre 2004, les relatives à la nationalité congolaise. Wana bangone so ba moni yango ndenge ba publier yango ndenge ba komi yango na calendrier électoral na calendrier à session oyo mais balingi koloba yango te ndeko. Tant que vous avez manipulé l'opinion, vous avez financé le chef d'église, vous avez fait la déclaration comme si il y a stigmatisation par rapport à la loi. Wana. Le chef de l'État avait donné son point de vue, mais lui avait même dit que non, peut-être hein, ça ne le concernait pas. Mais si nous sommes un État démocratique, mais si vous avez empêché un élu du peuple, je dis non. Les élus du peuple, bazawana pour na quoi, bah initiative à ça y a la loi et où t'as soit na gouvernement soit na député. Ceux qui un élu du peuple a kamati mokano et ça la proposition naie. À plus forte raison que le gouvernement a empêché député wana salam salam naie. Et comment te peut possible que non le bureau de l'Assemblée nationale ou bien l'honorable Christophe Mbosso a empêché député pour na quoi salam salam naie. Imaginez. Mon frère, est-ce qu'il y a solo penza boka makokope sa batuma mbongo ba marcher pour la loi parce que un élu du peuple a voulu réfléchir. Ndeko. Ba déclaration sous zo mona wana c'est une manipulation de l'opinion. Et puis cette loi là ça ne vise personne. Lelo oyo elo gozo ko pousser ba tout ça les gens ne veulent pas le dire parce que ils a problème nan nous il y a insécurité. Procès à Mwanga Chouchou. Ils ont visé Nani Ote. Nani Jamal. Jamal, il y a un homme d'affaires. Jamal, procès à Mwanga Chouchou, Ndeko Trésor, et la Kisibiso. Hein? Comment le pays est exposé, ce qui t'ont créé, moi, verrouté, dans certaines fonctions, il y a souveraineté.
Ça existe partout. Na Tunisie soko kei kuna pour être chef de l'État. Ezaka ka des pères et des mères, tete ba koko na yo wana pe bango pe fo bazala, o ba bota pe fo bazala des pères et des mères. Pourquoi ils le font? Les autres trahisons aux autres monde, infiltration par-ci par-là. Je te dis que Congolais au corrompre corrompre par exemple pour n'attendre soit ça et le monde, mais il y a des décisions en toute honnêteté qu'un Congolais de père et de mère ne peut pas faire. Rassure. Je vous dis. Les gens ont un bateau nyonso qui s'appelle des Congolais qui ont permis l'infiltration à Mboka au profit à l'intérêt à pays étrangers, à pays voisins. C'est entre autres, ce sont ces gens-là qui ont Madeni Dakar. Quand on les appelle. La loi ou bien la proposition Yanani et Kani Moutouté. C'est-à-dire, on voulait dire député, beaucoup comme on a dit, on va député. Ministre, beaucoup comme on a dit, mais pas par exemple ministre de la Défense, pas par exemple ministre de l'Intérieur, pas par exemple chef de l'État. Ou on les a bilo pour la souveraineté. Parce que sécurité en Mboka, Makamounis tout en Mboka, ils ont reposé dans la banane. Ce qui va verrouiller Nani, va discriminer Nani. Nani a botama que Yéka Katia Koukoufa Foka comme président de la République. Et c'est Dieu, ils ont la volonté de la que nous avons comme chef de l'État. Non. Ceux qui ont visé ça, Moussous Koufa, ils ne sont même pas venus comme un chef de l'État. Comment quelqu'un tu peux nourrir les ambitions pour dire que non, loi wana basale, on peut comme président de la République. Qui t'a dit que toi tu seras président de la République? Mais en attendant, Mboka, ils ont faire face à la question de la sécurité à Mboka. Est-ce que doit-on observer niveau Oyo, Mboka Izaleli, en laissant le pays entre les mains, y a Batumo? Non. Cette loi-là ne vise personne. Merci. Cette proposition ne vise personne. Ndeko Trésor. Tolobi yango bongo ponani. Batuba tanga yango. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est seulement. Nana pesi dénommé. Ça ne signifie pas la baba benga loi tchanité. Ils ont complété. Il y a seulement des dispositions qu'on peut prendre, c'est-à-dire pour sécuriser la fonction du chef de l'État. Et pourquoi Batuba lingi, même bisomo totalani, totalani na batuke. Pourquoi les gens veulent que Moutou Oyo. Azan apparent congolais, il faut comme chef de l'État. Total, on n'a pas. Pourquoi? Merci. Et quoi, c'est un bon point. Bonjour, Ndeko Trésor. En parlant des congolités, vous risquez de tomber dans le piège de ceux qui diabolisent. Par contre, cette loi visant le verrouillage des postes régaliers, donnant donc la chance au débat, le monde entier comprendra de quoi il s'agit. Merci, monsieur Bedel. Voilà. Ndeko Franck, Bino Bajen, un mouvement citoyen. Pour la plupart, vous êtes hostile à cette proposition. Tant que vous avez rejeté l'argument de Bino et Zanine, et là, on a besoin comme désavantage tant que vous avez rejeté l'argument. Merci, notre roi, qu'à la fin, est-ce que vous pensez un peu à la si les lois ont eu un mot, parce que si loi Tchani a la proposition, ils ont loi Tchani. Bon, on a dit mon truc et un peu de révélation dans la loi. Mais c'est trop qu'à la fin, l'endang à ma lame, loi Tchani au monde, tout qui est bien. Tout va vraiment être clair, tout ce qu'on doit les pères et les mères. C'est Mbogo Pébouna. Et c'est Nani. Faut que ça les pères et les mères. Mbogo Pébouna. On doit piller Mbogo et les pères et les mères, piller Mbogo Kaout. Non. Tout va la vérité. Loi Oyo, c'est discriminatoire. Ils ont visé Moïse Katumbi. Tout va clair. Non, tout va clair. Tout va la clair. À face à clair. Parce que loi Oyo, ils ont visé Moïse Katumbi. En Chita Pani, parce que nous, ça a été déclaré bien qu'on a candidat. C'est pour ça que nous, loi Oyo, on va payer Sango Tchani. Ah, pourtant, va me rappeler. Je vais rappeler. Moïse Katou m'a déclaré candidat. Il s'est déclaré candidat. Ma tête a pondu. Koulout n'a pas l'issanga bongang. Nani, si Koulout n'a pas l'équateur, Wazara vient de faire un gouverneur. Oh, Fayoulou. Fayoulou. Mais tu vas se déclarer candidat. Wazara est belé. Déco. Déco Trésor. Loi Oyo. Bah, il y a un peu de vie. C'est pas un carté batou sous loi Oyo. C'est discriminatoire. Fais loi, on a sait qu'on est carté. Monsieur Tchani, monsieur Loi Tchani. Oh, bah, pèse du Tchani. Oh, il a pesa moto. A coupé sa moto. Parce que ils sont peuple congolais. Mais c'est Tchani, aïe, pas que tu roules là, les panaïs.
loi au sujet de la panne, loi ou aïe n'a ou aïe par la panne, aïe la chambre, la caméra, tout la panne, parce que loi au sujet de qui est collé dans mon jamais. Pour un soulèvement professionnel, vous installez ma pône à la loi ou le collé qu'à jamais la loi. Pour nous soulèvement à la plateau, tu as la peine à la chambre pour la vie, pour la vie, notre mère. Moussé, vous avez pour moi, il faut sentir parce que loi ou est discriminatoire, il y a pour la révélation. Tout le bas clé, bon, tout est la révélation. Bon, quelle est la vie, j'ai juste ni. T'as la toque ni. Loi au bapesi au et comme ça n'a perdu des deux et à mes services et qui dit tout mona discriminatoire à ma casse du bruit est soutenu par bataille des pèses et comme quoi qu'on visait bateau et wana à sénégalais et wana à sa juif est-ce que mon repère bon et c'est un des pères des mains c'est dans un moment aux aoui mouma oui au livre libre libre à 5 libre à 2 c'est comme 500 n'a mouma ou ça n'a qu'à ouler des pères des mains mais on est où là dans quel pays. Est-ce que le vivre à Congo ou le vivre à Tunisie, toi, toi, les Morotins, quand même, tu sais, tu vas dire, tu as des informations. Parce que loi, ils ont visé Moïse, tout le monde, 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 tout le tu as visé ni Nikuna. Mais il semblerait qu'il est parce que loi d'un papa congolais. Est-ce que loi peut être bon? Parce que visé pour qu'un carté monstre, il faut dire la vérité. Mais c'est pas mal à terre. Parce que loi le terminal, sinon c'est mais c'est signe pour loulou. Papa, tu votes à qui? J'ai appris la route où vous avez des mis d'accord en AOP. Il faut vous en avoir preuve. J'ai appris que vous avez des mis d'accord. Mais loi, n'est-ce pas de signe pour loulou? Tu votes à qui? Na chani surtout chani mais c'est chani yo ko jobata ko lingala bientôt yo ti o ti mbango ko o ye malamo ko o la chani je le fait so ki le chani e ko le ka jamais dès que ça j'ai mbosso déjà répondre qui sur anabi e ko le ka jamais. Merci. Bonjour, 13h07, l'heure est obsolète et très subjective. Les députés de Midakar sont-ils majoritaires au Parlement? N'est-ce pas qu'ils peuvent voter cette de loi qui vont causer préjudice à l'État selon les raisonnements de ces messieurs? Merci Ndeko. Comme pratiquement na souka la tanga ba message ba ndeko. S'il vous plaît, trésor demande à ces messieurs en cravate rouge quelle est l'influence ou l'impact de cette fameuse loi du proposition sur la population Pati Kiwanda. Merci ndeko Pati. Ah ba message ba ndeko. Bonjour ndeko, pourquoi loi Chani Elingi et Kabola mboka na biso batu oyo bazolo ba pe pona yango? Est-ce que Bango Moko Baza, ba des pères et des mères, donc il faut passer à autre chose. Bonjour Ndeko Trésor, pourquoi Bandeko ya Union Sacrée, Baza na ba doute mingi po na ba élection à 2023, ba lingi kaka, basa la nenge Kabila, sala ki se Pablo Ndimba. Bonjour Trésor, je vous suis depuis Ngaba, yebisa Ndeko oyo alati veste ya grise, azolo ba bien makasi ba ide na yepe, Eza Makasi Ndeko Neville. Bonjour Trésor. Hier, j'ai suivi sur Radio Top Congo les discours du président ougandais pour ndenge ba soldats ougandais bazana Bunagana. Après, ministre Mouya ya Awana Ngambu Nabiso Azolo ba Makambu Moussousou. Ah, bandeko. Tosuki sa émission, s'il vous plaît, Natanga Messia Ndeko. Bonjour Ndeko, tout le langage et pas Ndeko, il y a Union Sacrée. Donc, neti Yohan Wissa. Azo servi RDC jour à Kolinga aya autorité moko ya Congo tobo ya ye. Ah Ndeko Johan, oui ça va jouer. C'est lui qui a mentionné Abel. C'est petit, c'est mal barré. Bonjour, la loi Moïse parle de quoi? Il est on a compris le message de Robert Ndeko sur qui c'est émission to clôture. Je crois que tout suite la thématique nyonso o ebonga kito le bela émission na biso mokola le to conclure la nine. On a parlé de la question des élections et de l'aspect sécuritaire dans l'organisation des élections. On a parlé de la loi et de la proposition de Noël Tsani. On a parlé de l'union sacrée. L'union 30 secondes, pour nous conclure l'émission par rapport à trois points de l'Obélien. Moi, vraiment, ils ont été au monde à Yoki et ils ont dit plusieurs fois à voir. C'est le problème du niveau de vie. En fait, vous savez. L'Oba qui peut le Kamboï chef, on n'a pas parlé. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas palpablement comme ça ou touchablement comme ça. Donc, vous ne pouvez pas les comprendre facilement. La vie chère,
En tout cas, les téléspectateurs, Nabiso Bayeba, la vie chère, ce n'est pas seulement en RDC, franchement. Aujourd'hui, en Allemagne, quand vous suivez, ils sont en grève. On demande l'augmentation des salaires parce qu'il y a l'inflation. L'inflation, par définition, ils ont nié la hausse des prix des biens de première nécessité. Quand vous allez en Argentine aujourd'hui, l'inflation atteint 56%. Au Liban même, n'en parlons pas. Quand vous prenez la monnaie locale du Liban, actuellement, c'est 480 000 dollars libanais pour avoir 100 dollars. 480 000. Bissot, Tosana, 246 000. C'est-à-dire que la vie chère que vous voulez, en fait, stigmatiser, c'est une vie qui a été, mais aussi, chité. En même temps, pour chiter, je dis seulement que la loi Tchani, qu'on laisse l'Assemblée nationale essayer de statuer, et alors laisser toutes sortes de stigmatisations, un peu de langage, il faut beaucoup retirer quand on est en public, nous allons créer les soulèvements populaires, on va faire ceci, rien que pour une loi qui n'est jusqu'alors que proposition. Merci. Et ça, merci. Proposition de loi. Nego Lipsia, 30 secondes clôturées. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une réaction à la téléspectateur. C'est vrai, tant que tu es là. Téléspectateur, je ne peux pas soutenir. Ndeko, Jugel, Lengo, Lusakwen, à soutenir Loan. Oui. Je pense que ma campagne, les gens ne peuvent pas voir ça du côté personnel. Au présent, il y a un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen ressemble à ce qu'on appelle le groupe de pression dans un gouvernement. C'est-à-dire que donc, quand vous voyez déjà un mouvement citoyen, un plateau, et il prend une position pour un individu, et pour ça, il sort le biceps, ça signifie que c'est déjà désorienté du côté de la raison. Parce que tant qu'on a la révélation par rapport à la loi Wana, tout le monde a une révélation, mais on a senti un sentiment personnel de Bimapanaye en tant qu'un militant. Bon, et en citant aussi Moïse Katumbi. Alors, qu'on citait Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse va passer à Koleka, Moïse Katumbi a été exclu aux élections de 2018 par son propre frère, entre guillemets. N'a rien à le bango pour la bonne motivation. Donc, c'est ça. Bref. Biso toyaka koloba makambo oyo ezokota ya mboka tango to lobi loi wana to motive yango botala ba situation botala bato bazokokanga botala bato bazoko travailler awa danger o bazo collaboration na bango na ba pays ya libanda par rapport ya mboka na biso et mutu ya bango le ngoso ko tie li komo opesi ba responsabilité tana mboka ndenge kozala expliquer. Merci de Colipsienne de Kofrank Sukisa. Bon, merci, mais avant que Nassis ait 30 secondes, Nassis a dit que nous avons 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 dit que Merci, monsieur. Arrestation arbitraire, ma classe.